jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. La France est en quart de finale de la Coupe du Monde. C'était une grande affiche, puis ça a été un grand match. On est content, on a fait un match complet, on est passé par tous les états aussi. On n'a rien lâché, donc je suis très fier de l'ensemble du groupe. Vive la France et vive la République! On ne rentre pas chez nous, on va finir content. Je veux qu'on fasse la fête ce soir. Je veux que tout le monde là, aujourd'hui, on soit mort sur le terrain. Mais personne ne va lâcher l'autre. Personne ne se lâche. Sur le terrain, on est tous ensemble. Des bonhommes et des guerriers, des soldats. Aujourd'hui, on va les tuer aujourd'hui. Ces Argentins là. Messi et pas Messi, on s'en bat les couilles. Nous. Et on vient pour gagner cette putain de Coupe du Monde. Vous passez par là. Et là, je vous passe. Allez les gars. Nous aimons le football pour ces moments comme celui que nous allons vivre dans quelques minutes. Dans quelques minutes, la France affronte l'Argentine. Dans quelques minutes, va débuter le seul huitième de finale qui oppose deux anciens vainqueurs de la Coupe du Monde. Et c'est parti ! Mbappé. Oui, coup franc. Ils étaient quatre autour de Kylian Mbappé à 9m40 à ce mur. Oh, c'était bien parti sur la transversale. Avec parfois le Pogba, il s'est retrouvé sur Banega, mais Mbappé peut tenter de s'échapper. Et il va plus vite que tout le monde. Avec Mbappé qui accélère, il tente le grand pont, il va essayer de passer face à vous. Penalty. Il est allé jusqu'au bout de son espoir, Kylian Mbappé. Penalty pour les Bleus. Et le vol. Et le voilà, le 22e but en équipe de France, sous ce maillot bleu, pour Antoine Griezmann. Les Bleus mènent à zéro. Contre-pied parfait, beaucoup de sang-froid. Et alors, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Oh, ça fait deux! Oh, ça fait deux, évidemment! Ah non, il n'y avait pas dedans, il n'a juste pas dedans. Carton jaune, mais regardez. La défense. Allez, en force. Wow. Là ça ne retombera pas, c'est vrai que c'était sur la ligne des 16 mètres. Regarde, c'est pas des gars qui va frapper, ça a été détourné avec Matuidi, avec Mbappé, il est passé encore une fois. Oh, il y a hors-jeu, il y avait une position d'hors-jeu et Loris sera dans les pieds de Pavon. Et gifle. Antoine Griezmann dans la surface de réparation. Aïe. La mésentente. Voilà, là il est lancé, Messi. Et c'est Antoine Griezmann qui récupère le ballon. Et il enchaîne, et il va centrer un peu fort peut-être pour un homme Giroud qui a tenté de couper la trajectoire. De plus en confiance de cette Coupe du Monde pour l'instant. C'est pas un grand défenseur. Rafael Di Maria, non. Un très grand défenseur. Non. Banega. Di Maria, en revanche, il peut frapper. Pour tromper Hugo Lloris, il avait été abandonné dans le marquage. Deux secondes ont suffi pour permettre à l'Argentine de recoller et relancer cette rencontre à 5 minutes de la pause. À la place, c'est pour jouer. Faut pas qu'on hésite, mais pour ça, il faut du mouvement. Frappez les mecs, on a des situations à 20-25 mètres là. Putain, frappez, mettez une mine. Et si on veut. Même de derrière, transperce une ligne. Manega frappé fort, Paul Pogba qui éloigne le danger, mais ça revient sur Léo Messi dans la surface de réparation. Allez. Oh, ça a été détourné. Et ça permet, avec Mercado, à l'Argentine d'entrer en seconde période. De mener de but. 20-25 mètres là, putain, frappez, mettez une ligne. Et c'est passé dans le dos, le centre, Lucas. Allez, second poteau, pas mal. Oh, il nous fait Inacho. Non, ce n'est pas Inacho. C'est une pavard. Et ça permet aux Bleus, sur cette frappe somptueuse, de recoller de partout. Quel match. De deux. Regardez-moi ça, il y a le centre. Qu'est-ce que c'est bien donné avec Hernandez qui centre bien, ça a été contre d'un moment. Mbappé qui accélère et qui lâche le ballon entre les jambes. Ça vient côté gauche, Lucas Hernandez, c'est une bonne transmission aussi de Paul Pogba. Le centre d'Hernandez, mal dégagé, c'est Kylian Mbappé.
c'est bien joué avec le Giroud. Oh, Zidane, il a vu. Oui. Kylian Mbappé. Oui. L'Argentine ne revient plus. Allez, un contre un. Pas facile. Allez, là, cette frappe, elle a été détournée. Oh, Léo Messi. Oh, là, c'est... Il est passé, mais il n'a plus la force dans ce pied droit. Heureusement pour les Bleus. Bien défendu sur Messi. Centre de Messi. 93e minute. Et but de Kun Agüero. Oh, la frappe. Elle passe devant. C'est terminé. C'est terminé. On aura souffert jusqu'au bout. Jusqu'à ce dernier centre de l'albicéleste, la France, comme en 86, comme en 98, comme en 2006, comme en 2014.